Nous voici avec El Condor Forlonge. Nous sommes dans les écuries de Jerry Planck avec le patron en personne qui est là, qui va donc disputer le Francir Ange Loire Challenge 2024 avec un cheval, ma foi, hyper sympa. Parle-nous un petit peu de ce El Condor Forlonge, s'il te plaît, Jerry. Bah nous, on le surnomme Pompon. Pompon. C'est la mascotte. Ouais, ouais, c'est un cheval qui est gentil, que tout le monde peut monter. Qui n'est pas démonstratif le matin, mais il est comme ça. L'après-midi, c'est un cheval de course. Il aime le cross, c'est son sport. Ouais. Moi, je l'ai reçu à 4 ans de chez Monsieur Debois Brunet. Et puis, on l'a mis sous le cross, et puis ça s'est avéré payant à chaque fois. Quoi. C'était une révélation. Le cross, vraiment, c'est le cross, c'est la terre qui lui plaît, c'est le... Ouais, par contre, il fait ça bien, il est maniable. Et puis, on a compris qu'il fallait le monter un petit peu off, comme ça, et puis venir sur les autres. Mais oui, le cross, il aime ça. Ouais. Il a montré d'ailleurs tout récemment, en étant deuxième du Grand Cross de Fontainebleau, hein, entre Travel de Bel Air et Gap Pierre Gic. C'était un cheval de Grand Cross. Il a gagné aussi sur le parcours du Lion d'Angers, c'était en 2022, je crois. Ouais, avec Thomas Borin. Voilà. Ouais. Et en gros, tu pars pour vraiment disputer la victoire. Bah, c'est délicat parce que, contrairement à Garrigal, où le matin on le voit passer, on se dit waouh, c'est bien. Lui, c'est toujours nul, quoi. Donc, c'est délicat. Mais le cheval a le moral, il est bien, les prises de sang sont bonnes, il a son poids. Dès qu'on appelle ça, c'est pas démonstratif. Ah non, il est nul, ouais. Ah oui, c'est moi qui le monte, il est waouh. Mais ah ouais. Sur le papier, on n'a pas peur d'y aller, quoi. Mais alors, c'est l'anti-morning glory, c'est dans le matin, il ne met pas un pied devant l'autre. Bah, comme le trotteur, contre... le bon trotteur, c'était Buddy Gold. Oui. Et au cours, c'était. Bah, lui, c'est pareil. Sauf que c'est un cheval de cross. Ah bah c'est dans ce sens-là, c'est mieux. Voilà. Ouais, c'est bien. Ouais, il nous surprend à chaque fois parce que je vous dis, je savais même pas si j'allais sur le Grand Cross de Fontainebleau au début. Hein, donc, le cheval est bien. Il va faire sa course. Hein. Bon, bah, écoute, Pompon, nul le matin, mais ouais. L'après-midi, voilà, c'est plus du tout le même cheval et maintenant ouais, même le soir. Ouais, je pense qu'il se tend et puis il aime ce qu'il fait, donc c'est déjà un plus quoi. Ben voilà, ça c'est la vérité du jour. Il aime ce qu'il fait, donc ça c'est un plus. Merci Jerry.